J'aime une pensée de Gustave Eiffel qui disait notre rôle est de faire autrement. Faire comme les autres, ma foi, c'est pas très intéressant. D'abord, tout le monde s'en rend compte, et puis on n'a aucune satisfaction personnelle, on n'a euh, aucun sentiment de dépassement. Je pense que l'intérêt de faire du design, c'est de créer la surprise, de créer l'objet qui va justement euh, ravir le public. Hein. La... Oui, la, que la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'originalité est si importante Parce que on sait que d'un point de vue de l'utilisateur, euh, l'originalité n'est pas aussi appréciée qu'on le croit. Je pense que l'originalité elle est essentielle. En effet, nous croyons que tout a été inventé, mais c'est quand même assez incroyable à chaque fois qu'on est surpris par des nouvelles solutions à des problèmes. Et je pense que tout n'a pas été encore inventé. On, on peut se questionner quant, à, euh, quant au fait de, de, de vouloir toujours réinventer les objets, réinventer leurs fonction, alors qu'il y a beaucoup d'objets qui répondent déjà très, très bien euh, à leur fonction, notamment une chaise. Mais euh, étant donné que les, les besoins sont en constante évolution en fonction du monde dans lequel on vit, euh, les objets doivent s'adapter et donc ils doivent euh, être euh, réinventés ou, ou adaptés. C'est sûr qu'il y a des schémas, des courants. Euh, on tente toujours, c'est sûr, de, de créer un peu sa, sa, sa griffe, sa marque, là, de se démarquer. Euh, mais je crois que ce qui est surtout important, c'est de faire un bon design. Un beau design, un bon design, euh, c'est un bon vendeur. Hein? C'est un vendeur silencieux. On regarde, on n'a pas besoin de se faire expliquer un bon design. Est-ce que c'est nécessaire de réinventer la roue pour comme, remplacer un objet qui, qui est déjà efficace, par exemple? Ou... Je crois qu'il euh, est très important de se défaire de la rapidité avec laquelle on croit devoir venir avec des solutions. Les bonnes solutions ne seront que des solutions qui s'élaborent euh, au bout de beaucoup de temps d'apprentissage, beaucoup de temps d'analyse, beaucoup de temps de recherche et beaucoup de créativité.